Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce sixième numéro de votre émission « L'art nous parle ». Débutons ensemble par la découverte de l'invité du jour. À la découverte de la danse du patrimoine ivoirien, nous retrouvons M. Sidi Bé, professeur de danse à l'INSAC. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Nous sommes encore avec vous. Nous, c'est Ereba, la troupe qui vous accompagne. Et Ereba, c'est le grand bonheur en langue malinké. Et pour votre bonheur, aujourd'hui, nous allons donc aller depuis le sud jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire pour voir l'ogan. L'ogan, la danse des jeunes filles. L'ogan, le tambour des selles. Mesdames et messieurs, l'ogan. Chers téléspectateurs, j'espère que cette découverte vous aura plu. Et maintenant, place à la compétition, mon super talent artistique. Chers téléspectateurs, nous sommes à la troisième et dernière compétition pratique cette semaine. Avec pour thème, en considérant que la racine donne la différence, imaginez une Afrique de demain.
Je laisse le soin à présent à Mimi Auguste Erol, membre du jury, nous expliquer ce thème et de nous dévoiler les attentes du jury. En considérant que la racine donne la différence, imaginez une Afrique de demain. Par ce thème, j'attends de vous que vous fassiez une inflexion sur vos racines pour pouvoir vous projeter dans le futur. La racine, c'est votre culture de base, c'est votre essence. Et par le futur, je n'attends pas que vous me fassiez New York ou une ville européenne. J'attends à ce que vous partez de votre racine pour nous projeter une Afrique qui se développe avec ses valeurs propres. Candidat, émerveillez-moi. Candidat, êtes-vous prêt? Oui. Avez-vous cerné votre thème? Oui. Top, c'est parti. Bonjour, Yé. Bonjour, monsieur. Comment tu te sens ce matin? Je me sens très bien, monsieur. Tu as bien compris le sujet? Oui, monsieur, j'ai bien compris le sujet. Où est ta racine? Je vais faire sortir ma racine de ce côté-là. D'accord. Et ici, montrer la différence. Ok, j'espère que tu vas bien évoluer ton travail. Oui, monsieur, j'ai bien. Et on sera tous satisfaits à la fin. Exactement, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour, maître. Ça va? Ça se passe bien? Ça va. Tu as bien appréhendé le sujet? Effectivement. Je vois que tu commences par les racines. Oui, oui, en fait. Mais il faut entendre par racines la source, hein? La source africaine. Et tu comptes pas faire quoi? Tu as fait l'esquisse de la racine? Bon, après l'esquisse de la racine, dans tout part, en fait, des mouvements de pluie. C'est à l'intérieur que je vais essayer d'énumérer en fait nos racines africaines. Voilà. Donc actuellement je suis en train de traiter un peu les plis et puis donner un peu la couleur africaine à ces plis là. Et ensuite maintenant intégrer dans ces plis, on va dire un peu l'éducation et la racine qu'on a. En tout cas je te souhaite bonne chance et puis à l'arrivée on verra. Merci. Et du courage. Merci. Bonjour Nema. Bonjour Maître Kassi. Comment tu te sens? Bien, bien, je me sens bien. Ok. Je sens le dessinateur. En fait, que peut-il cacher ce beau visage par rapport justement au thème que tu traites? Ce visage, c'est le visage d'un enfant. Qui est un peu souriant par rapport à l'avenir, vu que le thème nous parle d'un avenir par rapport à l'Afrique. On ne peut imaginer qu'un bel avenir pour l'Afrique. Donc déjà, on sent le personnage qui sourit. Et le reste, ça viendra avec le temps. Je suis qu'à la première étape. Donc alors, le tableau va dégager l'optimisme. Oui, effectivement. Ok, très bien. Courage et bon avancement. Merci, maître. Bonjour Anne. Bonjour monsieur. Comment tu te sens? Ça va bien.
Je constate que tu commences à bien maîtriser ton pinceau, parce que tu fais des jets et en même temps tu sors la lumière, mais où tu mettrais ta racine? J'ai envie de dire surprise, mais je vais expliquer un tout petit peu. On dit Afrique de demain, on n'a pas dit la Côte d'Ivoire, on sait que l'Afrique elle est colorée, elle regorge d'histoire. Et on veut un avenir, mais on va à l'avenir comment? On se retourne à notre racine, elle est remplie de culture. Donc à l'intérieur, on aura un max, on aura une kora, un max du Cameroun, une kora du Mali, et puis des escaliers avec des pagnes de Côte d'Ivoire qui montent vers un éclairci en fait, avec quelques claviers pour montrer la technologie, l'évolution. Ok. L'explication a été bien donnée. Et j'espère qu'à la fin, ça sera un tableau très harmonieux. Je l'espère aussi. Du courage. Merci. Bonjour Oteji. Bonjour maître. Ça va? Oui. Tu as bien appréhendé le sujet? Oui, oui. Je vois que tu as commencé à faire ton fond. Oui, oui. C'est un arc-en-ciel, hein? Au fait, comme l'Afrique est un univers de couleurs, parce que c'est le continent où il y a plus de couleurs. Et donc, c'est de ces couleurs-là que je me sers pour faire mon fond. Et puis aussi, c'est la terre de nos ancêtres. Et donc, utiliser des couleurs ternes pour rappeler que c'est de là que tout a commencé. Par exemple, laquelle j'ai fait des couleurs en dessous. Voilà. Juste refléter l'image d'Afrique dans mon fond. D'accord, j'espère que tu vas pouvoir cristalliser ton idée, ton esprit dans la toile. Je te souhaite beaucoup de courage et puis c'est ce que tu sais faire le mieux, la peinture. Donc il faut vraiment m'émerveiller, moi j'attends de l'émerveillement. Merci beaucoup maître, je ne serai pas déçu. Allez, bonne chance. Merci beaucoup maître. Ben, je dirais que ce thème me touche particulièrement. Là, on parle de racines, on parle de futur. Et moi, je dirais comment garder sa source, ses racines, son identité culturelle, tout en pensant au développement de notre Afrique. Ben, j'ai hâte de voir les œuvres de ces candidats. Et vraiment, j'ai hâte de voir les œuvres. Toutes les bonnes choses ont une fin. Chers téléspectateurs, la compétition du jour s'achève. Les notes seront dévoilées le jour de la finale. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. C'était hier, quand Boyo jouait sur les pirogues.